moi les qui est belé. Et les qui est belé. Mola moi les qui est belé. Et les qui. Amour est une personne qui m'a pris à l'aimer plus que moi-même. Moi-même, jusqu'à moi-même. L'amour est une personne qui a ôté la sentence et de la malédiction dans ma vie. Jésus. Oh oui, l'amour est une personne. Qui aussitôt entré dans mon cœur. Je m'appelle Michel Hardy Bakenda Kalonge. Je suis né de papa Pépé Kalonge Mutanda Léonard et de maman Angèle Mboya Kapikapinga. J'ai donc été influencé par ma mère qui a une voix vraiment angélique. Je me souviens à l'époque, dans notre famille, à chaque fois qu'il y avait deuil, le deuil se tenait chez nous à la maison. Et j'aimais beaucoup plus la façon de pleurer de ma mère. C'est-à-dire lorsqu'elle pleurait, elle chantait en pleurant. Et tout petit que j'étais, ça m'impactait déjà et ça m'influençait. Donc j'aimais beaucoup sa façon de chanter. Je l'accompagnais à des répétitions, à la chorale. Là où elle priait, je me souviens, on était encore à Bandalungwa. Et ma mère a commencé à m'influencer jusqu'à ce que quand j'ai totalisé l'âge de 7 ans, j'ai commencé à prendre conscience du talent et de cette grâce que le Seigneur avait investi en moi. À un moment donné, je me suis retrouvé en train d'exploiter les talents que le Seigneur avait mis en moi pour la gloire du monde. C'est-à-dire, j'ai fréquenté quelques groupes du monde tout en étant petit. Et le Seigneur m'a fait grâce jusqu'en 2003 pour que je puisse les rencontrer comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et là, pour ma toute première fois, j'ai chanté à la chorale de l'église Centre Évangélique Silo. C'est donc par là que le Seigneur a permis que je puisse découvrir le potentiel et les dons qu'il a investis en moi. L'église Silo qui est coordonnée par le pasteur Jean-Baptiste Sumbela. Lorsque j'ai eu l'opportunité et la grâce de chanter pour la toute première fois l'église Silo au culte matinal et les gens m'ont découvert, moi-même personnellement je ne savais pas que je pouvais chanter pour Dieu jusqu'à ce point. Et le Seigneur a fait grâce, j'ai commencé à être sollicité pour chanter au culte matinal régulièrement, jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, la jeunesse de l'église Centre Évangélique Silo a pu organiser la chorale de la jeunesse. Et j'ai donc fait partie du membre de cette chorale et j'ai commencé à exercer au sein de la chorale de la jeunesse de l'église jusqu'à ce qu'à un moment donné, le pasteur décida que je puisse intégrer la grande chorale avec Papa Didier Mopiti pour que je puisse chanter au culte de dimanche sans problème. Il faut aussi dire qu'après plusieurs moments d'intimité avec le Seigneur m'a accordé enfin la grâce de pouvoir écrire des chansons. J'ai eu cette grâce de commencer à écrire des textes. Je n'avais pas encore l'ambition de faire un album. Cependant, j'écrivais déjà des chansons. Jusqu'à ce qu'en 2006, pour la toute première fois, avec le soutien et l'aide de mon ami maestro que je salue, Erwin Zambé, je me suis donc retrouvé en studio en 2006 pour faire un album intitulé Nzambe na Kokamo, mais qui malheureusement n'a jamais vu le jour. Oyo moteme kokokate papa. Ezaya kozanga yo Yesu. Oyo moteme kondima papa. Ezaya komona yo. Oyo moteme kokokate papa. Ezaya kozanga yo Yesu. Oyo moteme kondima papa. Ezaya komona yo. Kokenda te mosika na ngai. Et par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé au sein du groupe Écho d'Adoration, dirigé par Papa Franck Moulaja en 2009, où j'ai eu à prester pour la toute première fois au mariage du frère Patrice Moubiaï. Et cela a fait qu'à ce que beaucoup d'autres personnes puissent me découvrir. Et en 2013, je me suis donc retrouvé à Lubumbashi, où j'accompagnais Papa Franck Moulaja pour un festival. Et pendant un temps de prière, c'est ainsi que le Seigneur m'accorda la grâce de recevoir l'instruction de sa part
par rapport à cette structure que je coordonne en ces jours autour du trône, qui a beaucoup de branches, où nous retrouvons ce que nous appelons autour du trône chez vous, c'est-à-dire des moments d'adoration dans des familles qui nous invitent. Et nous avons aussi tels que des projets de maisons de production pour promouvoir à la musique de notre pays, pourquoi pas d'Afrique. Alors l'histoire avec l'album Dieu de ma vie, je me souviens un jour à l'université, j'étais assise à l'amphithéâtre en train de prier. Dieu me donna une instruction me disant que je devais abandonner, c'est-à-dire mon ancien album Nzambe Nakokamwa pour commencer ce nouveau projet Dieu de ma vie. Alors pour moi c'était simple car Dieu me disait de commencer cette histoire de l'album Dieu de ma vie. Je me disais bon, je ne vais pas trop souffrir vu que j'avais déjà beaucoup de chansons qui figuraient dans l'autre album. Je me disais bon, je prendrai certainement 4, 5, 6 chansons et puis je vais ajouter d'autres. Mais Dieu m'a dit de ne pas toucher à aucune chanson, c'est-à-dire je devais commencer un autre projet. Alors j'ai dit au Seigneur comment ça va se passer et Dieu m'a dit je t'inspirerai, je te donnerai des chansons comme tu n'avais jamais imaginé. Alors je me souviens, la première des chansons que j'ai composée après cette journée-là, c'est Tendre Ami. Mais voici Tendre Ami interprété par la sœur Rachel Agnemé. Me voici Tendre Ami, je viens pour t'adorer. C'est ma première composition. Et je pense, mais quand je suis allé au studio pour commencer le projet, le premier cantique était Ngolo. Donc voilà un peu. J'ai compris quelque chose. Lorsque vous acceptez les instructions qui semblent être difficiles, mais venant du Seigneur, il y a une facilité qui sort de là. Donc Dieu m'a interdit quelque chose et j'ai accepté. Et là, Dieu m'a facilité tant d'autres choses. Et donc voilà un peu. L'histoire a commencé là. Et par la grâce de Dieu, j'en ai fait plus de 36 chansons dans les quarantaines. J'ai composé comme de l'eau. Je me souviens un jour même, j'étais en train d'aller me laver. Le cantine, le seau que je tenais pour aller me laver est tombé. Et pendant que je le portais pour aller épuiser de l'eau, pour aller me laver justement, le Seigneur m'a inspiré la chanson ici, Je laisse parler. C'est comme ça que la chanson Je laisse parler est venue, vous voyez. Donc dans telles circonstances, on ne peut pas imaginer avoir une chanson, mais puisque j'avais écouté la voix du Seigneur, Dieu m'a beaucoup facilité. Voilà. Il faut dire que ce n'est pas facile lorsque vous avez 15 chansons pour faire un choix. Ce n'est pas vraiment facile, mais il faut avouer aussi qu'il y a des chansons comme ça, lorsque vous l'écoutez, ça fait quelque chose en vous. Il s'agit bien de la chanson Ngolo, parce que j'ai une histoire personnelle et très particulière avec cette chanson Ngolo. Il n'y a pas Ngolo, il y a aussi Bola Mwanzambe le Kebele. Cela constitue l'histoire de ma vie. Donc cela fait partie des chansons qui pénètrent mon cœur et me touchent le plus. Comme je l'avais dit au début, j'aime toujours dire que c'est ma mère qui m'a vraiment influencé dans la musique. Elle a une voix très mélancolique et depuis tout jeune, j'ai toujours rêvé de chanter comme ma mère. Mais quand j'ai grandi, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont aussi influencé ma façon de chanter. Je citerai le frère Henri Papa Moulaja, c'est un frère qui m'a beaucoup influencé. À un moment donné, j'étais aussi influencé par les frères
Carlito Lassa. J'ai beaucoup interprété, Papa Carlito, mes respects. J'ai beaucoup interprété ses chansons à l'église. Même le frère Thomas Lokofe aussi, Papa Denis Ngonde, ils font partie des personnes qui m'ont, n'est-ce pas, beaucoup influencé dans ce parcours. Vous savez, lorsque nous allons au studio, nous y allons avec la pensée de bien faire les choses. Et nous pensons souvent qu'est-ce que nous faisons pour être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Mais il faut aussi dire personnellement ce qui me concerne, je ne suis pas allé en studio avec comme objectif de remporter des trophées, de faire des voyages, d'aller aux États-Unis, Canada, par-ci, par-là, Inde et tout ça. Là, ce n'était pas l'objectif. Vous voyez, là, plutôt, ça figure dans le plan de Dieu. Donc, personnellement, je suis ému et étonné de voir ce que le Seigneur est en train de faire avec moi dans ma vie. Et j'ai toujours tremblé devant ces choses parce que je sais que c'est par grâce. Dieu n'est pas obligé de nous maintenir dans cet succès. Vous voyez, ça peut changer à tout moment. Et cette pensée fait qu'à ce que je tremble toujours devant Dieu. Et à chaque fois que je vois Dieu me visiter, je m'arrange. Je trouve des voies et moyens pour oublier aussitôt cette gloire, mais la prendre et la ramener devant de son trône de grâce. Donc voilà, je ne peux pas dire que je m'attendais qu'à ce que Dieu le fasse vraiment comme ça, parce que du reste, Dieu n'était pas du tout obligé de le faire comme ça, c'est par grâce. Voilà. Vous savez, la vie est faite des rêves, la vie est faite des idées. En tant qu'homme, il faut toujours avoir des rêves. Et je me souviens, à l'époque, quand j'avais des énormes difficultés pour continuer avec mes études, je ne pensais pas pouvoir finir un jour, même pas avoir un diplôme d'État. Mais Dieu l'a fait par sa grâce. Il est allé plus loin en m'accordant voire même un diplôme en licence des relations internationales. Et par la grâce de Dieu, à l'époque, je me souviens, je disais toujours que les jours où Dieu me fera grâce d'avoir un peu de moyens, je serai en train de soutenir toute personne qui n'a pas la possibilité d'étudier et beaucoup plus les orphelins aussi. C'est pourquoi un jour, je me suis rendu compte que Dieu a quand même fait quelque chose dans ma vie et je n'attends pas d'avoir des millions pour réaliser ses grands rêves, de construire une fondation, de soutenir les pauvres, de soutenir les orphelins. C'est déjà donc ce que nous sommes en train de faire. Déjà par la grâce de Dieu, nous aurons la sortie officielle de la fondation Michel Bakenda ce 12 juin à l'hôtel du Fleuve. Donc ça sera un bon moment où nous serons en train de vivre la fidélité et la bonté de Dieu. Donc voilà, nous avons aussi tant d'autres projets. Nous allons organiser ce que nous appelons Malewa autour du trône, c'est-à-dire ça sera un moment où nous allons appeler nos mamans qui ne peuvent pas dans des restaurants communément appelés Malewa. Nous les appellerons, nous leur donnerons ce qu'il faut et ça sera un moment d'adoration et de louange et nous ferons appel à tous les orphelins, à tous les chégués, à toute personne qui ne sait pas où aller. Nous serons là en train de célébrer les rois, mais aussi en train d'offrir la nourriture aux hommes et femmes. Donc c'est déjà prévu, je pense dans 2 ou 3 mois, ce projet sera réalisable. Donc voilà, merci.